Bonjour mon petit vieux du sol, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens dans cette nouvelle vidéo qui est mes craquages l'ivresse. Du coup, je vais vous présenter tout ça et j'en ai 19 à vous présenter. C'est énorme, énorme. Le mois de novembre, décembre, il y aura, je pense pas qu'il y aura des craquages. Enfin, je vais essayer de pas craquer. Parce que faut que j'essaye de lire, parce que là j'ai une pâle monstrueuse et voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je me suis acheté le tome 2, c'est un manga, ça se lira très vite. Al-Sol, je suis malade, je suis désolée, je suis malade. Ça va beaucoup mieux, mais voilà, parfois je perds ma voix. Je vais vous laisser lire nom, parce que voilà. Cette jeune fille, je vais pas faire tous les pitch parce que je ne sais pas, mais ça je sais bien parce que j'ai lu le tome 1. Cette jeune fille, c'est sourde, je pense. Enfin, elle parle avec les signes et ce jeune homme va tout faire pour essayer de se faire comprendre. Du coup, il va apprendre les signes et du coup, j'ai trop envie de savoir ce que le racisme va devenir. Après, j'avais été de la semaine à Carrefour et j'ai trouvé ceci. Astérix. Astérix et les Griffons. Je ne sais pas par contre, c'est qui l'a. Je ne sais pas. Voilà. J'avais trop envie de découvrir cette Astérix. J'avais découvert la précédente, je pense, que j'avais emprunté à mon papy. Du coup, il n'est plus là. La BD est chez ma mamie. Mais je vais essayer de m'arranger une fois avec elle pour essayer d'aller choper un peu toutes ces BD pour moi les lire une fois. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il m'intéresse. Du coup, voilà. Après, je me suis pris nos rêves en pas parallèle de El Seveno chez Hugo. Chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais j'avais trop envie. Parce que Seveno, celle qui a écrit beaucoup, je pense. 6 ans que je n'ai pas encore lu non plus. Il est dans ma palle. Voilà. Mais il me tentait bien. J'entends parler de bons. De bons retours. Du coup, voilà. Après, j'ai craqué aussi pour. L'histoire de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ouh là là, je vous dis que ça va pas. La Reine de Cœur, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais c'est une réécriture. Ça va aller. Je suis désolée. C'est comme je parle dans mon nez. Des fois, j'ai l'impression de dire le mot correctement. Mais en fait, je le mâche un peu. Je ne sais pas trop de quoi va être cette histoire. Mais il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chez les éditions SNAG, voilà, il était abîmé en arrivant. Et le nom de l'autrice, c'est Colleen Waka. Waka, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, il me tente beaucoup. Et j'espère bientôt me le faire. Même s'il n'est pas dans ma palle du mois de novembre. Après, je me suis pris. Celui-là, il va être bientôt aussi dans ma palle. Il est énorme. Il est énorme. Me Fuck. Moi, l'anglais, c'est deux. Prince. Chez Éditions Lumen. Écrit par Cassie MC Kition. Question. Je suis désolée pour les noms de famille, mais voilà. Je sais juste qu'on va parler de Prince. De deux royaumes, l'États-Unis et je ne sais plus quoi. L'États-Unis et l'autre, je ne sais plus. Ce que passera-t-il si le fils du président des États-Unis et le prince d'Angleterre, voilà, c'est ça, devenaient beaucoup plus que des amis? Du coup, je pense que ça doit être un petit MM. Voilà. Et j'ai beaucoup entendu de retours. Et il y en a, ils n'ont pas beaucoup aimé. Il y a d'autres qui ont apprécié. Mais moi, ils me tentent beaucoup. Et j'aime bien faire mon avis.
mon opinion. Voilà. Après, comme toujours, je me suis pris les petites Disney. Il m'en manque un. Je crois que je me le pourrai cuire le mois prochain, ça c'est sûr. Alors, c'est Disney Chirrut avec ma gorge, c'est pas cool. Les cours. Excusez-moi. Une course contre la montre chez Vera Strategy. C'est chez Hachette Roman. Je sais plus c'est lequel, c'est 4 ou 5. Voilà. Mais c'est Hercule, je pense, celui-ci. Voilà. Je ne sais pas quoi de ça parle et je n'ai toujours pas lu les autres non plus. Mais j'ai l'autre aussi. Une tenue d'enfer. De Vera Straja, hein, de chez excusez-moi, de Disney Teachers, voilà, chez Hachette Roman, voilà, il me donne très envie aussi. Il n'y a pas vraiment de trucs, il y a juste les pages un peu salies au-dessus, mais voilà. Après, celui qu'on entend beaucoup pour le moment, c'est celui-ci. Et il me donne trop envie. J'avais dit que j'allais le mettre dans ma pile de mois de novembre, mais je ne l'ai pas mis. Parce que je l'ai déjà trop mis dans ma pile de. Mais il va pas traîner non plus. C'est du Strostick. Je ne sais pas lire le nom avec ma gorge. C'est Delinda Dan. Le clan des Canerons n'était pas prêt pour arriver. Voilà. Je sais juste qu'on va suivre une jeune femme qui va aller pour sa grand-mère dans le pays où son père est, je crois que c'est ça. Et il va avoir un mariage. Voilà. Un mariage un peu arrangé. Mais voilà, je ne sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Voilà. Après, comme toujours, je me prends les Disney. C'est au cœur de la lance maléfique, c'est dangereux, dangerus secret, voilà, de chez Hachette Roman. Je vous allez m'entendre tout le temps tousser, c'est horrible. Je vais essayer de couper au montage, mais je suis pas très sûre. Hein. Le pouvoir du mal après le film livre Hachette Héros. De Molly Black. Oh, Molly Black. Il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Mais la couve est trop belle. Là, il y a une petite serrure avec la tête de Maléfique. Et les reflets dans ce livre. Vous voyez tous les petites. Il est trop beau. Il me tente beaucoup aussi de lire. Et lui non plus, il n'y a pas grand-chose à montrer. Voilà. Après, il y a le deuxième. La véritable histoire de Marie Mascusi, Dangerus Secret, Inidula et Anjandrak. Je sais pas comment. Anerdrak. La Reine des Neiges. De chez Hachette Roman. Voilà, je vous ai dit tout. Mais voilà, je ne sais pas. Et là non plus, il n'y a pas de dessin ou de truc en quatrième de couverture. Mais lui aussi, il est très beau. Avec le vernis sélectif partout. Là. Là. Et les petits reflets, vous ne voyez peut-être pas. Mais même partout, il est trop beau. Là aussi, il y a une petite serrure et on voit. C'est Anna ou Elsa? Je ne sais pas. Mais il est épais celui-là à part à l'autre. Je vais essayer de vous remontrer l'autre. Celui-là, il est plus gros que celui-là. Voilà. Mais il me donne très envie tous les deux. Après, celui-là aussi, je pensais le mettre dans ma palme, mais il n'est pas mis. Pourtant, c'est un truc un peu Halloween. Voilà. Il est trop beau. Je crois que c'est un peu de la fantasy, mais je suis pas sûre avec de la romance dedans. C'est pour ça que je l'ai pris. Et la couverture est trop belle. Voilà. Et Wings. Je ne sais pas vous dire le nom. C'est le tome 1. Elle a la promise. Chez BMR. Yves Stone. Stone, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Je sais juste que c'est une jeune. Elle a une jeune sorcière sans don.
enjouée. Elle est pitiante, vivant tranquillement dans son monde des humains où elle suit le cours de l'université de Streamfield. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les vieux nonnes décident de faire caser les confilies. Excusez-moi, mais voilà. Qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour cela, ce père, il organise un mariage entre une prétendante de chaque communauté. Ella est outrée, apprend que sa sœur Nero est la sorcière désignée pour cette union. Et encore plus lorsque le mari de Zeus présente leur futur mari, son petit-fils Dino, dieu de la terreur et noir de la nuit. Ella ne peut pas y croire. Alors, de question que sa sœur épouse incarnation. Même de la terreur, mais démon bouleverse les négociations et refuse que la fiancée qui lui imposait et désignait lui-même la promis qu'il a choisi la sorcière sans don à laquelle personne ne l'attendait n'attendait elle là. Du coup, elle va devoir épouser un sombre personnage. Il me donne trop envie. Voilà, j'ai en train d'hésiter de pas le mettre ce mois-ci. Je sais pas. Non, j'ai déjà fait ma palle, il faut que j'arrête. Après, je vais faire. On fait ici deux là. On va faire celui-là. Je me suis pris tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. De chez Hugo. De la caution nous roman de Ophélie B. Starwash. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est un livre de Noël et j'ai attente au mois de décembre pour me plonger dedans. Et c'est vrai que les trucs de Noël, j'ai pas trop envie d'en connaître plus. Voilà. Après, je pense que c'est le dernier Noël. Du coup, je vous montre la romance presque parfaite d'une. Accro à Noël de Laura S. Will. J'ai déjà lu S. Non, c'est S. On s'aime, et puis soudain, et puis je lutte, et puis je ne sais plus quoi. Il y en a quatre, il y a quatre tomes. J'avais bien aimé son écriture, et du coup, je me suis dit pourquoi pas me faire son petit livre de Noël. Du coup, il est dans ma possession. J'en sais pas plus, je sais juste que. C'est une comédie romantique entre l'accro à Noël et le statique de fête. A-t-il une place pour une romance presque parfaite? Voilà. Après, je me suis pris Crois en moi chez Hugo dans la collection New Romans de Elodie Solar. Il est épais. Je pensais pas qu'il était aussi gros quand je l'ai pris. Voilà. Et on va suivre Romain. Romain porte de guerre à la cheville, chevelure, flamboyant. Oh, flamboyant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voit sa vie bouleversée le jour où elle prend sa meilleure amie en camaran. Mais Max, alors qu'elle fait un reportage pendant un sexe de feu. Alors, ah ouais, c'est Romain. C'est Romain ou Romain? Romain ou Romain? Roman, peut-être. Ouais, je vois comment ça s'écrit les deux mêmes façons.
coincée pendant plusieurs heures sous les décombres. Elle va connaître la souffrance la plus forte de sa vie. Quand le cavalier prend fin, c'est un autre qui commence. Qui est cet inconnu qui la sauve? Comment cela a pu être si intense entre lors, alors qu'elle ne l'a même pas vu son visage? De retour à Paris, Romance se rend rapidement compte que les clés de l'énergie prison lui échappent et que le mensonge est certain m'empêche de découvrir la vérité. Comment retrouver quelqu'un dont je ne sais rien ou presque? Le mélodrame, mélodrame. Voilà. Il me tombe bien aussi. C'est vrai, comment ça a été très très choqué. Voilà. Ça, je ne vous ai pas encore montré. Du coup, je me suis aussi pris. J'ai déjà mis un marque-page dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, d'accord. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Mysterious Air d'Adriana Drousse chez Hugo dans la collection Mouvement. On va juste suivre. Je sais pas, je sais plus son nom. Je sais juste que la jeune fille va ne veut plus de mec assez barbant, on va dire. Et elle va s'inscrire parce qu'il a eu le prix. Je l'ai mis là. Ah oui, j'avais passé. J'avais gardé le prix du Mystique. Je l'avais gardé. Parce que je me dis pourquoi pas. C'est rare quand je les regarde, mais voilà. Oui, hier, j'avais. Je vous ai écrit plus tard, mais j'ai lu. Le prologue. Ah non, j'ai lu le premier chapitre. Voilà. Mais ça tendait pas tout de suite, du coup, j'ai pas pris ça. Du coup, on va suivre une jeune femme qui va s'inscrire sur Mystique pour rencontrer des garçons et il va se passer des trucs et je ne sais pas quoi. Voilà. Je sais qu'il se lit assez vite, il y a beaucoup de textes. Faut que je le retire parce que ça m'emmerde. Écrit par message, du coup ça fait plus de place. Du coup voilà, celui-là il faut que je le remette là pour après cette vidéo. Voilà. Après il y a celui-ci qui me tente beaucoup. Je pensais le mettre, mais non, je le mettrai le mois prochain. Celui-là il va aller passer le mois prochain, c'est sûr. Du coup c'est la lettre écarlate. De Megan Rossby, tome 1, Anna Bistro. C'était de la Bitlit chez Milady. Si je me dis pas de bêtises, il y a 4 tomes. Je suis pas sûre des tomes. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais ils me tentent beaucoup. Et j'avais vu quelqu'un qui disait que il n'avait jamais lu de la Bitlit et grâce à ce bouquin, était accro. Du coup, je me dis pourquoi pas essayer. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des loups, mais j'en sais pas beaucoup plus. Après, je me suis pris 6. Lui aussi, je pensais pas qu'il était énorme. Je pensais qu'il allait faire une dizaine de. Enfin, une centaine de. Enfin, 400 pages, mais là, il a fait presque 800. C'est énorme. Du coup, c'est 6. Je sais pas le dire, 6. Ster Pack. Chez Hugo dans la collection Nous Romans. C'est de Isabelle. Mais je crois qu'Isabelle, je l'ai déjà lu. Je suis pas très sûre. Mais je pense que j'ai déjà lu des livres de cette autrice. Ah ouais, il y a Isabelle Suveno, elle est là. Et là, il y avait lu aussi Laura Wild de la romance. Et elle est écrite en quatre mains, du coup c'est avec Samantha Morgan, je sais pas comment ça se dit. Ici je sais pas, j'ai même pas lu la quatrième couverture, j'ai une tâche. Du coup je vais lire avec vous, pourtant ça fait 20 minutes mais c'est pas grave. Et j'ai encore deux livres à vous montrer. Linda et Marvala sont à son tournure d'une vie. À son tournant de vie à presque 30 ans.
Lee, passionné par son travail, se voit confier une enquête d'envergure. En tant que chauffeur de brigade, le personnellement jusqu'au bout, elle préfère fermer les yeux sur la vie personnelle, mais surtout que son tombeur d'équipe, laquelle elle est intéressée à de penser. Marc, elle ra, ra Marc, Marc, je pense que ça se dit comme ça. Elle repart à zéro après d'être fait larguer par son fiancé, emmené chez sa sœur pour se consacrer corps et âme à sa nouvelle boutique de 10. Elle ne part cependant pas gagnante. Insupportable tatouage d'à côté s'énerve d'être un pic. Delis est le seul homme que sa sœur lui défendu d'approcher. Entre cœur et raison, les deux sœurs vont devoir franchir et le pack qu'elles ont passé il y a quelques années les aideront peut-être à le faire pencher la balance. Un pack de sœurs, quatre cœurs. Une romance suspense. Oh oui, une bonne romance. Mais 800 pages, quoi. Bon, c'est pas grave, il va être lu. Lui aussi. Je pense que le mois prochain, je vais mettre ces deux gros bébés. Avec. Enfin, ouais. Ah oui, il y a les. Faut que j'en mette un des deux. Parce que je vais mettre les Noël quand même. Je ne sais pas si je vais les mettre du coup. Parce qu'il y aura Noël. Après, j'en ai deux autres. Il y a Black. C'est Black Element. Un baiser brûlé de Jennifer Alamon Trout. J'entends beaucoup parler. J'ai commandé un de ses livres qui va arriver dans pas très longtemps. Du coup, je me dis pourquoi pas essayer cette autrice. J'avais dit que j'allais le mettre ici pour la découvrir et je l'ai pas mis. Mais voilà, il traînera pas non plus, j'espère. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai envie de me plonger dedans sans savoir. Et le dernier, et après, je vous laisse. Et après, je ferai le montage directement de la vidéo parce que vous allez la voir logiquement fin de semaine. Lui, cette autrice, je l'ai déjà lue parce que je le sais et j'ai lu. C'est Ben Painting. Il n'y a pas très longtemps, en plus, vous avez eu en vlog. Du coup, c'est Boss Mbaibi. J'espère que je le prononce bien. De Carl. Ouais, je ne sais pas son nom, je ne saurais pas vous dire. Je ne vais pas dire de nom. Une romance suspense en suspens. Voilà. Le seul truc, moi, qui m'ennuie, c'est les pages sont toutes blanches. Bon, en ce moment, les débuts des chapitres, elles sont trop beaux. Avec des petites fleurs. Voilà. J'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en découvrir. J'avais bien entre deux et enfin entre deux pour la l'autre livre et du coup je me dis je vais lui laisser sa chance et voir avec celui-ci que ça donne. Mais elle déteste ce qu'elle Attends. Elle se trouve mais elle déteste ce qu'il représente. Elle est très sérieuse mais à Il adore la provoquer. J'ai juste lu la petite phrase ici. Pourtant, il y a tout ça à lire. Mais j'ai vraiment pas envie de lire. Voilà. C'est un non publié. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Indépendant, public. Voilà. Il n'y a pas de maison d'édition. C'est elle qui l'a publié. Du coup, vous le retrouvez pas beaucoup partout. Vous le trouvez pas dans les magasins. Il faut aller sur. Moi, je l'ai commandé chez Amazon. Voilà. Là, je l'ai trouvé. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le trouver ailleurs, mais là, vous l'avez trouvé. Souvent, chez Amazon, vous trouvez les noms publiés sans maison d'édition. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà pour ça. Je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. De tous mes craquages, il faut que j'arrête. Arrête, arrête. Normalement, il n'y aura pas grand-chose pour.
pour le mois prochain. Il y aura juste la box que je garde quand même. Mais voilà, j'ai envie de me faire les livres. Faut que j'avance dans mes lectures. Parce que voilà, j'ai une pile aimant énorme. Si vous allez voir ma pile, il y a Livre Addict et BookNote dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller retrouver tout ça. Il faut que je les mette. Voilà ce que j'ai oublié de faire. Merci de me penser à moi. Du coup, je vais mettre tout ça et moi, je vous dis des bisous et je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une nouveau vid un autre nouvelle vidéo que vous allez voir aussi début de semaine, je pense. La palme du mois de novembre. Je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde.